Bonjour. Alors aujourd'hui, je me trouve dans un arboretum à l'épicentre des Pays-Bas. C'est une forêt qui a été plantée à la fin du milieu du 19e siècle, donc il y a beaucoup de sortes d'arbres différents. J'ai pas préparé grand-chose pour cette balade matinale, juste fait le choix d'emporter le shakuhachi, de voir un petit peu ce qui sera possible de faire dans un parc. On sent vraiment l'arrivée du printemps avec les mésanges qui sont super actives, pas que les mésanges d'ailleurs, aussi les pies, les geais, les merles, tous les oiseaux qui sont ici, qui restent l'hiver, reprennent leur marque avant l'arrivée des migrateurs. Rebonjour. Alors me revoici 2 jours plus tard dans cette grande pinède. Entre-temps, j'ai réfléchi à ce que je pouvais jouer et j'ai travaillé Matsukaze no Shirabe, prélude Matsukaze, qui est le vent dans les pins, pièce tout à fait appropriée. Il se trouve que là où j'habite, il y a très peu de conifères. Donc, j'ai pas eu l'occasion encore de travailler ni de jouer cette pièce. Donc, voilà, c'est le programme du jour. Je vous fais visiter en même temps. Il y a des pins de plusieurs continents, Amérique du Nord, Asie, Europe, bien sûr, aussi donc du Japon. Pin, c'est pas seulement des pins, pin, sapin, cyprès, if. Des arbres plus que centenaires.
absolument magnifique. Alors j'ai des pins, beaucoup de pins, sapins, cyprès, mélèzes, ifs, un peu de tout, de différents continents. J'ai des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, mais j'ai pas de vent. Et le komibuki sans vent, ben c'est pas la même expérience que sur Scramonico, par exemple. Donc je fais des petites improvisations sur le thème de Matsukaze. Le vent dans les pins sans vent. Même sans vent, en fait, de jouer sous ce magnifique arbre, immense, centenaire. On se sent petit.
Il y a une forme de calme qui en émane, aussi comme une protection céleste. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce moment musical dans cette grande pinède. Le dernier arbre est absolument splendide et ses branches tombantes de cette hauteur de plusieurs dizaines de mètres, c'est vraiment, ça donne énormément de calme. Donc j'espère que vous aurez pu aussi en profiter et puis à bientôt pour un prochain vlog.